Les membres des One Direction ont fait part de leur désarroi et rendent un dernier hommage à Liam Payne suite à son décès tragique survenu ce mercredi. C'est un coup de tonnerre pour la communauté musicale. Liam Payne, chanteur de 31 ans et ancien membre du groupe des One Direction, est décédé mercredi dernier après avoir fait une chute du troisième étage de son hôtel. À l'heure actuelle, les autorités mènent toujours l'enquête sur les circonstances exactes de sa mort. Les Directioners, nom donné aux fans des One Direction, endeuillés se sont recueillis sur les lieux du drame en Argentine afin de déposer des fleurs et d'allumer des bougies. Les anciens membres du groupe, eux, ont partagé leur peine sur les réseaux sociaux et ont tenu à adresser un dernier hommage aux musiciens. Une initiative reprise par de nombreux artistes. Les One Direction. Liam Payne, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan et Louis Tomlinson étaient les membres d'un boys band qui faisait fureur dans les années 2010 à 2015, les One Direction. Ils formaient un groupe d'artistes talentueux mais aussi très amis. Sur leur compte Instagram commun, Styles, Malik, Horan et Tomlinson ont fait part de leur chagrin. Nous sommes complètement dévastés par la nouvelle. Quand il sera temps, et quand chacun s'en sentira capable, nous parlerons davantage. Pour l'instant, nous allons prendre le temps de faire notre deuil et d'accepter la perte d'un frère, que nous aimions tendrement. Les souvenirs que nous avions partagés avec lui seront gravés à jamais. Nos pensées se dirigent vers sa famille, ses amis, et les fans qui l'ont aimé à nos côtés. Il nous manquera terriblement, nous t'aimons Liam. Via leur compte personnel, les chanteurs ont également tenu à adresser des mots et des photos plus personnelles. Rita Ora. Rita Ora et Payne avaient chanté en duo pour la bande originale du film 50 nuances plus claires. Le titre, For You, avait été un énorme succès. Alors que la chanteuse anglaise se produisait sur scène le lendemain du tragique événement, elle n'a pu contenir son émotion au moment de reprendre For You seule. Une fan a partagé sur X, anciennement Twitter, ce moment émouvant. À la fin de la chanson, une photo de leur duo a été projetée sur l'écran. Par la suite, Rita Ora l'a repartagée sur son compte Instagram. En commentaire, elle a ajouté « Notre musique For You, pour toi, en français, a un tout autre sens pour moi à présent. » Camila Cabello. Dans sa story Instagram, la chanteuse et compositrice américaine a remercié le chanteur pour la joie qu'il a pu lui apporter à elle et à ses amis quand elle était plus jeune. Elle s'est souvenue de sa rencontre avec lui, « Cela m'avait fait une grande impression de rencontrer un membre du groupe que j'aimais et qu'il soit si gentil. » Elle a évoqué une véritable « tragédie ». Halsey. C'est sur un réseau oublié et qui nous renvoie à la même période des One Direction que Halsey s'est exprimé, Tumblr. Après la mort subite de Payne, elle a confié son désarroi dans sa dernière publication, J'ai aimé les One Direction avec une force dévorante quand j'étais plus jeune. Cela fait très mal de pleurer quelqu'un dont vous étiez fan à l'adolescence et qui est devenu un collègue à l'âge adulte. Je sais que les gens changent et que le deuil est étrange lorsqu'il est associé à un souvenir affectueux ou à un sentiment et pas concrètement à la personne elle-même. Je peux voir que beaucoup d'enters vous ici luttent avec cela en ce moment et je comprends. En tant que parent, artiste et fan, je ne peux tout simplement pas comprendre cette perte prématurée. Je suis de tout cœur avec sa famille, ses amis et ses fans. Ed Sheeran. Ed Sheeran a publié sur Instagram un portrait de Payne accompagné d'une petite note, « Je manque de mots. Mes pensées vont à sa famille et à ses proches. Je n'ai que des bons souvenirs de lui. C'est tellement bouleversant. » James Corden. Le comédien anglais et animateur star d'un late show, James Corden, a présenté ses hommages à la famille de Payne et a honoré cette « âme douce et aimante ». Charlie Puth. Le chanteur et compositeur américain a partagé une photo souvenir de lui avec Payne. Steve Aoki. Le DJ Steve Aoki, avec qui les One Direction ont collaboré, a partagé une galerie de photos sur X. Avec difficulté, il a décrit son incompréhension et son choc. « Je ne peux pas croire que tu sois parti mon frère. »
Backstreet Boys. Les Backstreet Boys, autre boys band, ont publié un message groupé sur X. Aji McLean, membre du groupe, a cependant voulu s'exprimer personnellement sur son Instagram. Il a fait part, comme beaucoup, de sa sidération. Les mots ne peuvent pas exprimer la douleur que j'éprouve et la grande perte que nous endurons. Nous sommes devenus très proches presque immédiatement et avons partagé tant d'histoires, de rires et d'expériences. Tu es parti trop tôt, mon ami. Tu étais une personne incroyable et rayonnante tous les jours lorsque nous travaillions ensemble. Je ne peux pas croire que tu sois parti. David Beckham et Paris Hilton. La star du football, David Beckham, a partagé une story Instagram de lui avec Payne. En commentaire, il a noté la gentillesse et la générosité propres aux musiciens. Paris Hilton, elle aussi, a fait part de sa tristesse via un post publié sur X.